Sois la bienvenue, Salam, frérot. Tu veux dis-moi. nous parler de quoi? Allez, comme ça. Dis-moi, je voulais réagir à un fait de société qui se passe beaucoup en ce moment. C'est par rapport à tout ce qui se passe, à la guerre et tout. Bien sûr. Ce qui se passe en Russie, du moins, et en Ukraine. Bien sûr, mon frère. Alors, c'est quoi ta théorie? Dis-moi ce que t'en penses, toi. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très compliqué quand je travaille ici en France, parce que il y a des gens qui parlent du conflit, et tu peux être amené à entendre des choses qui forcément te déplaisent, parce qu'ils sont pas au courant de tout ce qui se passe. Et quand tu vas parler de certaines choses, on va forcément te traiter de complotiste. Écoute, les Donc il y a... complotistes, en attendant, ils ont raison. Comment? En attendant, les complotistes, ils ont raison. On parle de Puff Daddy. Quand 50 Cent disait le pire, c'est P. Diddy. Ah, je crois qu'il y a des rappeurs de France qui font les justiciers mais qui chantent pas à Lyon. Ils ont participé à des soirées avec lui? On ne le savait pas. Le bon soupçon. Le bon suçon. Le bon soupçon. Il y en a plein, il y en a plein. On les traite de complotisme, mais à la fin, ils ont raison. Oui. Après l'histoire de Puff Daddy, je connais pas.